Salut la famille. Alors, je vous remercie de la façon avec laquelle vous avez toujours accueilli les différentes vidéos que nous avons mises sur nos différentes chaînes. Et aujourd'hui, nous avons rencontré des Camerounais en route où nous leur avons posé la question de savoir, on donnait un village, ils donnaient un cliché. Alors, j'espère que ça vous plaira et que vous allez être satisfait. Mais seulement, notez en commentaire toute imperfection que vous rencontrerez au long de la vidéo. Sachez-le aussi, vous pouvez donner un sujet que nous pourrons tourner, que nous pouvons faire dans nos futurs tournages. Je vous remercie et voilà, je vous invite à regarder derrière. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Francky. Et moi Marina. Enchantée Marina. Merci. Alors, si nous vous accostons, c'est par rapport au lancement de notre chaîne YouTube. Okay. Aujourd'hui, nous vous accostons, c'est par rapport à un petit jeu que nous allons faire ensemble. Okay. Je vous donne une tribu et vous me donnez un cliché. Alors, j'aimerais savoir, si je vous dis par exemple, les Bassa, vous direz. Les Bassa aiment trop la bagarre. Ils aiment trop la bagarre. Oh. Et si je dis les Bamoun, vous direz. Ça, c'est ça, les gens. Ça, c'est génial. Ils aiment la saleté. Oui. Ah, et si je dis par exemple les Nordistes, vous direz. Ça, les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. Et si j'ai dit les doigts là, vous direz. Aïe maman, je parle dans ma tribu. C'est les gens qui sont toujours place à la mode. Alors, c'est bien ça. Et si j'ai dit les Bamileke, tu dis. C'est pas ma camarade. Elles aiment l'évolution, mais ils sont toujours économes dans les poches. On sort jamais. On sort jamais. Jamais. Je te remercie beaucoup. D'accord. Salut mon frère. Bonjour. Moi c'est Francky. D'accord. Moi c'est Paul. Enchanté Paul. Ravi aussi. Alors, si nous vous accostons, c'est par rapport justement au lancement de notre chaîne YouTube. D'accord. Et aujourd'hui, nous aimerons savoir, d'après vous, je vais vous donner un village et vous allez donner le cliché, en fait, un cliché par rapport à ce village, ce qui vous vient en tête premièrement. Pas de souci. Et si je vous dis par exemple les Douala, par exemple. Bon, ils s'habillent bien. Ils s'habillent bien. Ouais. Si j'ai dit les Bassa, par exemple. Les Bassa. Même cliché. Bon, comme cliché pour les Bassa, je dirais que peut-être qu'ils bavardent trop. Ils bavardent beaucoup. Ouais. D'accord. Et les Bamileke, par exemple. Bon, vrai, a fait un cap avec les Bamileke. Est-ce que ça très blague sérieux. Avec les Bamileke, c'est plus argent et tout et tout et tout. Ouais. D'accord. Je te remercie beaucoup, mon frère. Ah, de rien. Vas-y. Merci. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Moi, c'est Francky. Blanche. Enchantée, Blanche. Plaisir partagé. Alors, si nous vous accostons en route, c'est par rapport au lancement de notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous aimerons savoir, et nos internautes aussi, d'après vous, quel est le cliché que vous donnerez pour un village comme les Bassa, par exemple? Wow. Les Bassa sont gens, ils aiment parfois créer la dizanie entre eux, leur belle famille et... Enfin, entre les membres de leur belle famille, bon, selon moi. Famille. Et chez les Ewondo, par exemple, vous direz que c'est quoi, le cliché? Bon, ils sont déjà... Pour les filles, elles aiment bien... pour ne pas dire l'argonne, comme on dit souvent. Oui. Ils aiment bien crâner, pour les filles, les femmes, bien oui. sûr. Bon, pour les hommes, moi, je ne sais pas trop. Hein. Et maintenant, si on vous dit chez les Douala, par exemple, vous direz quoi? Les hommes Douala aiment bien se vanter. Oui. Ils aiment bien être... Donc, en fait, ils sont classe. Oui. Ils sont bien vêtus, ils s'habillent très bien et simplement en fait. Bien que les femmes ne savent préparer autre repas que le poisson et le ndolet. D'accord. Et si je voulais sortir pour terminer, je demanderais les Bamoun par exemple. Bon, pour les femmes Bamoun, moi je n'en sais pas trop. J'ai pas de camarades Bamoun en fait. D'accord, je te remercie. D'accord. Merci. Alors bonsoir mon frère. Oui, bonsoir. Moi c'est Francky. Moi c'est Daniel. Enchanté Daniel. Mais, alors si nous vous accostons en route, c'est par rapport au lancement de notre chaîne YouTube. Oui. Et aujourd'hui, nous allons juste faire un petit jeu. Je vais vous donner un village, une tribu. Vous allez me donner un cliché. Alors aujourd'hui, j'aimerais savoir si je vous dis par exemple les Douala. Oui, bon, les Douala sont les gars très élégants qui aiment l'élégance. Très bien. Oui. Et disons les gars aussi qui n'aiment pas faire les travaux difficiles. Les travaux difficiles. Oui. Oui. Donc, pour eux, tu les vois, quand tu les vois en tenue, tu te dis que même après le projet, tu te dis que non, c'est quelqu'un qui a tellement d'argent. Très bien. Alors, ils n'ont rien. Et si on vous dit un Nordiste, par exemple. Les Nordistes, d'abord, ce sont les gars qui aiment. Qui sont simples, oui. en fait. Oui. Ils s'en foutent avec tout ce qu'ils font. Tu dois avoir un Nordiste en train de marcher avec eux. Peut-être c'est un manger pour couvrir les chaussures. Oui. Lui, pour lui, il veut travailler et faire entrer de l'argent. Je te remercie. Oui. Et si je vous dis par exemple les Bassa?
Ah, les bazars, ça dépend des mentalités. Oui. Ce sont des gars à caractère difficile, oui, oui. Et vivre en un bazar, c'est comme si je vivais avec quelqu'un avec pas les deux têtes. C'est pas, oui. Bon, c'est mon point de vue là-bas. Hein. Bon, tous, ils se caractérisent de la même façon. Oui. Bon, chacun qui a son comportement, oui, selon le milieu dont il a vécu. Donc, c'est ça. Je te remercie. Merci également, merci beaucoup. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Alors, moi, c'est Francky. Moi, c'est Guetta Sidoine. Enchanté. Ok, merci. Alors, si nous vous accostons aujourd'hui, c'est par rapport à un petit jeu que nous allons faire. Je vais vous donner un village et vous donner le défaut qui caractérise ce village. Alors, si je vous dis, par exemple, les Bassa, vous direz quoi? Qu'ils sont trop... Je peux dire quoi? Agités. Agités. Ils aiment trop la bagarre. D'accord. Et si je vous dis les Zéondo, par exemple, vous direz? Les Zéondo, je ne les connais pas particulièrement. D'accord. Et les Bamoun, par exemple? Eux tous d'abord, les appellent les Bassa. Ah ok, les Bamileke alors. Non, les Bamileke sont posés, ne dérangent pas, cherchent l'argent, ils se battent. Ah d'accord, donc les Bamileke ils aiment beaucoup l'argent. C'est pas qu'ils aiment, ils se battent pour leur avenir. Oui. Donc les Bassa, pour eux c'est de... Je ne sais pas quoi dire. Mais ils aiment d'abord trop se montrer, ils ne se battent pas. Oui. Ils sont toujours à la maison, ici c'est là. D'accord. Et les Nordistes par exemple? Non, tu ne connais pas. Je vous remercie. Ok, merci. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Francky. Moi c'est Vianney. Enchanté. Enchanté de même. Alors, si nous vous accostons, c'est déjà par rapport au lancement de notre chaîne YouTube. Okay. Et aujourd'hui, nous faisons un petit jeu. Je vous donne un village et vous me donnez un cliché. Il n'y a pas de problème. D'accord. Si je vous dis par exemple les Boulous, vous direz quoi? Les Boulous. J'en ai entendu parler. Les Éondo par exemple. Les Étonnes. Les Étonnes. Oui, j'ai entendu parler aussi. Je sais que ce sont les voleurs, donc c'est de Pandeng, c'est quoi, c'est de... je ne sais pas trop. D'accord, et si je dis les Bassa? Les Bassa, moi je dis qu'ils aiment trop les problèmes. Très bien. Alors, ils sont trop bagarreurs. Ils sont bagarreurs, ça, un peu agités. Un peu agités, voilà. D'accord, et si je dis par exemple les Bamoun, vous direz? Ah, ils ne sont pas assez propres. Ah, oui. Ils sont pas très propres, hygiéniques. Ah ok. Et si je dis par exemple les Bamileke, vous direz? Les Bamileke, ah, ce sont des gens très cool, non, mais avec quelques défauts. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous direz de ceux qui disent qu'ils aiment trop l'argent? Moi, je peux confirmer que c'est le cas. C'est quand même le cas, quelque part. D'accord, je te remercie. Merci. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, moi. Moi, c'est Francky. Moi, c'est Dave. Enchanté. Ravi. Alors, si nous vous accostons en route, c'est par rapport au lancement de notre chaîne YouTube. Ouais. Et aujourd'hui, nous aimerons faire un petit jeu avec vous. Notamment, je vous pose une question. Je vous donne le nom d'une tribu et vous me donnez un cliché. D'accord. Alors, si je vous dis, par exemple, les Bassa, vous direz quoi? Ah bah bon, moi je dirais que bon, les Bassa, selon le cliché que je peux donner sur les Bassa, je dirais qu'ils sont un peu matérialistes, comme moi je peux dire. Oui. Les Bassa. Bon, mais c'est ce qu'il peut dire concernant les Bassa. D'accord. Et si je dis par exemple les Douala? Les Douala, bon, concernant les Douala, je ne suis pas sûr de connaître quand même, mais je dirais si c'est que les Douala sont un peu arrogants, comme moi je peux dire. Oui. Certains, quoi, pas tous. Et les Bamoun, par exemple? Ah bon, les Bamoun, comme on a souvent tendance à dire que les Bamoun, ce sont les serpents à deux têtes, effectivement. Les serpents à deux têtes. Donc, oui. Donc, on dirait que ce sont les serpents à deux têtes, donc les Bamoun sont hypocrites. D'accord. Donc, c'est ça. Donc pour leur conclure, je dis que les Bamoun, c'est. Donc, quoi, ils sont caractérisés par l'hypocrisie. L'hypocrisie. Ouais. Très bien. Et si je veux terminer, je dirais les Nordistes. Les Nordistes, bon. Là-bas, quand même, c'est quand même un point difficile à répondre parce que je ne connais pas trop le caractéristique. Oui. Donc, je te remercie, mon frère. Ok, merci. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Moi, c'est Francky. Moi, c'est Vanessa. Enchanté, Vanessa. Alors, si nous vous accostons en route, c'est par rapport à un petit jeu, notamment sur notre chaîne YouTube. Nous aimerons savoir, je vais vous donner un village, une tribu, et vous allez donner un cliché qui correspond à cette tribu. Alors, si je vous dis par exemple les Douala, le cliché qui revient en tête directement, c'est quoi? C'est que les Douala aiment la musique. Ils aiment la musique. La danse. D'accord. Et si je vous dis par exemple
les Bamilékés. Les Bamilékés, ils aiment peut-être. Ils savent pas moi. Les Bamilékés. D'accord, si vous ne connaissez pas les Nordistes par exemple, si on vous dit les Nordistes, qu'est-ce qui vous vient en tête? Ils aiment les problèmes. Ils aiment les problèmes. Mm-hmm. Et si on dit les Bassa? C'est un sort à problème là-bas. Je vous remercie. Merci. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Francky. Oui, oui. Alors, si nous vous accostons, c'est par rapport au lancement de notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit jeu où je vais vous donner un village et vous me donnez un cliché. Si je vous dis par exemple les Bassa, vous direz. Les Bassa, déjà, je les aime beaucoup. Oui. Ce sont des gens qui. Ils sont sages, ils sont intelligents, ils sont productifs. Oui. Voilà. D'accord. Et, comme vous voyez, peut-être dans notre pays, ce sont eux qui fabriquent beaucoup plus d'huile de palme. Oui. Et ce sont des gens qui sont. En fait, ils dépendent d'eux, oui. Ils dépendent de leurs activités. Oui. Et si je vous dis par exemple les Bamoun, vous direz. Je ne les connais pas particulièrement, mais ce sont aussi, je sais que ce sont des gens aussi, ils sont un peu comme des Bamilékés. Oui. Ils sont actifs. Oui. Et ils sont aussi solidaires entre eux. Oui, là, ils sont solidaires. D'accord. Ils sont aussi, c'est vrai qu'ils sont gros secrets, renfermés, oui. Mais lorsque tu les abordes, ils sont des personnes gros simples, oui. Mais dangereux si tu les provoques. Tu les provoques. Voilà. D'accord, ici je dis les Nordistes, vous direz. Les Nordistes, c'est, même, en fait, c'est la même chose aussi avec les Bamoun, ils sont à peu près. Ils sont la même chose. Et pour sortir, mais je là, vous dirais. Pour les Nordistes sont aussi solidaires. C'est vraiment que lorsqu'ils ont peut-être que. Ils aiment faire les choses ensemble. Voilà, ils ne partagent pas. Oui. Donc c'est entre eux, ça reste entre c'est eux. Entre eux. D'accord. Comment dire chez nous, bia bia. Donc c'est comme ça. D'accord. Et pour terminer, si je vous dis les doigts là, vous direz. Ah, les doigts là sont gros bois, ils sont gros frais là. D'accord. Ce sont des gens qui aiment la vie, qui aiment le luxe, qui aiment la propreté. Oui. Et ce sont des gens qui se donnent beaucoup plus de la valeur. Je vous remercie. Et voilà, merci. Alors, salut la famille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez vu et que vous aussi, vous allez répondre en commentaire à la question du jour. Un village, un cliché. Je vous remercie et je vous invite à liker, aimer, partager, surtout abonnez-vous. Je vous remercie.